L'agriculture est une des solutions. Il n'y aura pas qu'une seule. Et en agriculture, il y a plusieurs solutions combinables pour arriver à influer sur le changement climatique. Ce qu'on a commencé à pratiquer sur l'exploitation et qu'on va essayer d'amplifier, c'est la plantation de haies. C'est améliorer les cultures intermédiaires. Et prendre sans doute un peu plus de compost pour améliorer encore la structure du sol. Structure du sol améliorée, derrière, c'est du matériel moins tirant, c'est de l'irrigation un peu moins qu'avant. La production d'électricité à base de panneaux photovoltaïques, ce que j'ai montré à Madame la ministre Barbara Pompili tout à l'heure, ça participe aussi au bilan carbone et ça participe aussi au développement des exploitations agricoles. Sans photovoltaïque, sans on va dire, ce revenu accessoire de démarrage, j'aurais sans doute pas fait toutes les diversifications que j'ai mises en route. Je pense que c'était le coup de pouce de l'État pour dynamiser les exploitations agricoles. Tout ça, c'est des petits bénéfices. Mis bout à bout, ça peut apporter réellement quelque chose, une contribution en tout cas, de l'exploitation au changement climatique.